Après une attente infecte sous un soleil ignoble, je finis par monter dans un autobus immonde où se serrait une bande de cons. Le plus con d'entre ces cons était un boutonneux au sifflet démesuré qui exhibait un galurin grotesque avec un cordonnet au lieu de ruban. Ce prétentiaire se mit à râler parce qu'un vieux con lui piétinait l'épanard avec une fureur sénile. Mais il ne tarda pas à se dégonfler, se débinant dans la direction d'une place vide, encore humide de la sueur des fesses du précédent occupant. 2 heures plus tard, pas de chance. Je retombe sur le même con en train de pérorer avec un autre con devant ce monument dégueulasse qu'on appelle la gare Saint-Lazare. Il bavardochait à propos d'un bouton. Je me dis, qu'il le fasse monter ou descendre son furoncle, il sera toujours aussi moche, ce sale con.